Allez, on est parti pour la suite. Du coup, cette fois-ci, ça va être de la pure découverte. Donc, épisode 15. Le 14 était très chiant à tourner. Donc là, c'est bon, j'en suis débarrassé. Est-ce que le 15 va être aussi chiant que le 14? J'en sais rien. À mon avis, il y a peut-être moyen qu'on puisse utiliser Ace dans cet épisode-là. Je suis pas sûr. Vas-y, on va vérifier maintenant. Du coup, donc sauvetage d'Ace, le dernier ordre de Barbe Blanche comme capitaine. On va lire le résumé vite fait. Donc, Luffy parvient à libérer Ace grâce à l'aide de nombreux pirates. Avec Ace, il crée une percée dans le siège de la marine et tente de s'enfuir du champ de bataille. Ah, voilà! On peut utiliser Ace! Ah, on peut le mettre genre en tenue de Marineford, tu sais, un peu quand il est sans son chapeau, quoi. Ah, ouais, aussi les chaussures sont différentes. Ah, attends. Ouais, je crois qu'il a pas son épée aussi. Il a une espèce de lame. En fait, il s'en est jamais servi, mais il a une espèce de lame aussi. Bon, on va le prendre en tenue de Marineford, forcément. Ça, c'est un normal. Ouais, Marineford, let's go. Ne perdons pas de temps, on va utiliser Ace. J'ai hâte de voir ce qu'il vaut. Donc ça y est, on contrôle Ace. Hiken no Ace. Ok, donc ça c'est juste son triangle. Oui, ah, il fait un Gatling de points de feu, le bâtard. Oh, il y a déjà Aoki. Nandato. Attends, je vais faire fondre la glace. Ok, donc il y a Aokiji qui commence déjà à nous emmerder avec sa glace. Yes, ça fait plaisir. Ouf. Oh, j'ai mis un truc là, ça faisait mal. Ouais! Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les combos aériens. Oh, pas mal. Non, franchement, il a des techniques, elles sont stylées, ils sont vrais. Hein. Putain, mon merde, par contre, à se transformer en glace. Enfin, c'est moi qui le transforme en glace surtout. Tu sais quoi? Parlons français. Ok, j'ai mis un Hiken dans le vent, enfin, je crois. T'as fait chier, il a pas de combo aérien. Par contre, on prend du cul de ouf là. Attends, ça, je permets pas.
quoi, je lui mets tout dans la gueule. Ah oh, mais je lui fais rien en dégâts, wesh. Saut comment? J'ai l'impression que je perds mon temps avec lui en fait. Ouais, je perds mon temps. En fait, à part me faire démarrer là, il se passe rien du tout. C'est pas une bonne idée. Déjà, c'est un piège, je pense, d'affronter Aokiji, tu vois, faut pas le faire. Par contre, j'ai quand même envie de libérer la zone, tu vois, histoire de... Donc, je vais libérer la zone. Allez, hop. Allez, on y est presque. Oh, je suis en train de les carboniser, mais sévère. Hop, hop, hop. Putain, mais c'est stylé, cette technique. Là, il a des bonnes techniques, Ace, je trouve, quand même. Là, je veux... Alors, franchement, Ace maxé, chez... à mon avis, ça doit être quelque chose, quand même. Hein. Voilà, allez, on a libéré une zone. On va savoir comment ça va se passer à partir de maintenant. Ah ok, faut que je pète le mur, ouais, ça aurait bien vu. Voilà, je vais juste passer moi. Luffy avance de nouveau. On va pas trop perdre de temps au niveau d'Aokiji, tu vois, parce qu'à part casser les couilles, il sert pas à grand chose. Voilà, ensuite ici. Il y a des commandants qui vont casser les couilles. Ah, il s'en bat les couilles. C'est du manque de respect ce que tu viens de faire. Donc là je fais pas trop de combo aérien parce qu'il en a pas des masses. Enfin pourtant j'ai un peu maxé son arbre de compétences, tu vois. Pas des masses hein, mais un petit peu quand même. Voilà, il y a pas trop de combo aérien à faire. Mais en termes de technique par contre c'est sympa. J'aime beaucoup Ace, comment il se joue. Ok, donc faut qu'on avance là-bas de force. Ça va, heureusement Luffy il trace en vrai. Hein. Donc on va continuer à avancer tranquillement. Attends, on peut passer par là-bas, mais on va parler français nous. Voilà. Donc, attends, faut que je fasse vite moi en vrai, parce qu'il y a une mission à faire, je sais pas où. C'est quoi qu'on utilise Ace? Bon, au moins on l'utilise, tu vois, je me plains pas, mais on l'utilise juste avant qu'il crève, quoi, histoire de dire, regardez, voilà, vous l'avez utilisé, bah maintenant il est mort. C'est quoi? Bam! Mais j'ai pas commencé à affronter Aokiji, arrête de mentir. Le jeu, je sais pas en quelle année il a vu que j'ai commencé à affronter Aokiji. Fatigué que tu es, grosse folle. Non, par contre, attends, je vais pas aller à l'objet tout de suite. Moi, je vais directement aller. Oh putain, ils sont tous là-bas. Je vais aller vers le point d'exclamation parce que c'est une quête secondaire, du coup. Oh, oh, mais quelle est donc toute cette populace? Uy. Un gros Hiken là, bah! Ouais, il fait quoi? Oh, je suis en train de les carboniser sévère. Mamma mia! Du marine grillé pour aujourd'hui. Voilà, tac, on a libéré une nouvelle zone. Ensuite, merde, me dis pas que Luffy peut pas avancer. Je crois que non, il peut pas avancer. J'ai un peu du mal avec les combos de Ace pour l'instant. Hein. Voilà, ensuite pour passer de l'autre côté, bah. On peut pas. Yes!
スを解放して即退散とは、こんな腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊だ。船長だ船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃき。エーズ、敗北者取り消せよ今の言葉。Là, il a frappé là où ça fait mal, tu vois. Mais attends, j'en ai pas buté assez, bande de fous. Eh, la tête d'homme, regarde. Pourquoi je peux pas passer? Putain, je vais aller de l'autre côté, j'ai déjà massacré, moi. Putain, j'ai clairement pas fait assez de kills. Putain, en plus, il y a Okiji de merde qui va m'emmerder, là. Ah, j'ai pas envie, moi. Et en plus, le pire, c'est que j'ai vraiment pas fait assez de kills, quoi. Tu vois, c'est ça qui me frustre. Putain, pourquoi je peux plus retourner là-bas? C'est quoi, même si j'ai un rang de merde, au pire, c'est pas grave. De toute façon, vu que je dois mettre du cul à Aokiji et à Kainu, je suis pas dans la merde, tu vois. Ouais, ils sont nombreux là. Attends, je vais libérer la zone avant. Putain, ils sont grave nombreux, je suis dans la sauce de ouf là. Là j'en profite, je lui mets du cul de ouf. On a réussi à le mettre à genoux. C'est déjà une bonne chose. Ok. Là ça va, en vrai contre Aokiji on s'en sort pas trop mal, j'ai l'impression. Tac, j'essaie de me débarrasser de lui parce qu'il va casser les couilles après. Non non, y'a pas de ice block mes couilles là, tu fermes ta gueule et tu subis mon pote, j'en ai rien à foutre. Je t'ai pas demandé ton avis. Bah ouais, bah danger de fuite, mais bon, ta mère. Ah mais merde, attends, j'étais congelé, j'ai pas capté. Genre, on a déjà buté le chef. Ouah, il perd sa vie tellement lentement à Aokiji, c'est grave. Putain, je prends ta rive. Vas-y, dès que je vois que je suis dans le rouge, je me calme. Ça devrait pas tarder d'ailleurs. Putain, il s'est barré le moment où j'ai mis ma spé, l'encoulade. Normalement, je devrais repasser en éveil, voilà. Putain, ils me mettent deux amiraux là, et là je suis barbe blanche. Enfin, je suis pas barbe blanche justement, là je suis Ace. Certes, c'est vrai que Ace il est fort, mais il y a des limites. Pff, allez, on l'a presque buté. Courage! Courage, gambare! Voilà. Vas-y, brûle, brûle ta mère, brûle! Allez, on y est presque. Allez, il lui reste rien! C'est bon, Aokiji, c'est fait. De la santé, de la santé, de la santé. Ouais, de la santé, mais pas assez. Attends, je vais aller les aider parce qu'ils sont en déroute et je reviens. Ça va nous faire un peu de chemin et ça va... Putain, je suis qu'à 1200 kills, j'ai rien fait, j'ai rien branlé. Là je vois il y a un petit coffre, on va se faire plaisir. Même limite j'ai l'impression d'avoir eu trop de vie là. Je crois quand même que je vais faire un peu de kill histoire d'avoir un S au moins en kill, tu vois, parce qu'imagine ouais c'est chaud quoi. Vas-y, on va aider Vista. Oh, il les a tous retournés le batata. On va faire un petit peu nettoyage en balle.
Voilà, allez, on y est presque. En plus, on a des vistas. Chef a surgi. Ok, donc le chef, il est là. Salut, tu m'as à la tomate oignon, chef. Est-ce qu'elle était drôle, ma blague? Ah, mais arrête. Allez, c'était drôle, là. Non, c'était pas drôle. D'accord, bah, je le prends mal. Oh, oh putain, j'allais tous me les faire là, j'étais chaud. Putain, ils sont tous en déroute, c'est chaud. Putain, on va aller s'occuper de... Je sais pas ce qui est dans la sauce, mais on va s'en occuper en tout cas. C'est... Ah, c'est Jaws. Hey, yes. J'adore quand ça fait ça. Ah bah voilà, on a réussi. Voilà, ensuite. Allez, maintenant c'est Luffy. Bah, par contre, Luffy, lui, c'est primordial. Lui, il a pas le droit de crever, lui, par contre. J'arrive à Nikki. Enfin, Nikki, normalement, c'est pour grand frère, je crois. Donc, je dis de la merde, c'est. Faites pas gaffe à ce que je viens de dire. Et là. Vous avez un semblant de ce qui s'est passé sur... Enfin, au niveau de, en termes de map, là, vous avez un semblant de... Penkazard. Vu que Penkazard, on va pas l'avoir comme truc. On va pas l'avoir comme arc dans Pirates 4. Donc, du coup, bah voilà. Attends, on va s'en faire quelques-uns, quand même. Parce que, attends, sinon, on fait pas de kill, quoi. Ce serait quoi que la mission se termine aussi vite. Voilà. On va profiter d'Ace quand même, voyons. Ah, le con, il a cru que j'allais le laisser atterrir. Ouais, je vais aller aider Jean-Mi. Parce qu'il est vraiment dans la sauce, lui, par contre. Attends. Voilà. Alors, c'est parti. Un petit peu de chemin à faire, mais c'est pas grave. En vrai, j'ai des doutes. C'est peut-être le dernier épisode de Marineford, mais je suis vraiment pas sûr. C'est peut-être possible qu'il y en ait encore un, tu vois, mais sinon... Crocodile risque la déroute. Eh ben, ils risquent tous la déroute, ma parole. Oh, je kiffe ce combo. En vrai, le combo spam carré, c'est le plus stylé, je trouve. Ah, voilà. Déjà, là, on est à 1500. C'est déjà mieux. Oh, oh, regarde combien ils sont. Oh, oui. Là, le nombre qu'ils étaient. Incredible. Ouais, je pense quand même que je vais essayer de libérer toutes les zones, tu vois. Juste que je trouve l'endroit où il spawn, en gros, et ça devrait le faire. Attends, ensuite, attends, il y a un boss, là. T'arrêtes. Voilà. Bon, en tout cas, Ace, j'aime bien, mais sans plus. Peut-être que je vais me faire taper ou quoi, mais rien à foutre. Ace, je trouve pas spécial. Enfin, je m'amuse pas plus que ça en le jouant, tu vois. Je le trouve pas extraordinaire, en fait. Disons plus que c'est ça. Il est cool à jouer, mais je pense qu'il doit être plus cool à jouer une fois qu'il est bien maxé, quoi. Parce que clairement, ouais, j'accroche pas plus que ça. À part vraiment son... quand il spam les coups de poing comme ça, je trouve ça stylé, par contre. Voilà. Alors, on va faire quelques kills quand même. Attends, t'imagines, je bute direct à Kainu et c'est fini. Attends, on a des zones à libérer quand même. Voyons. Voilà. Donc, on a 2000 KO. Je pense pas me faire tous les mecs en rouge. Parce qu'après, je risque d'avoir en A en termes de temps. Et j'ai pas vraiment envie.
Mais en tout cas, rien à voir. Hein. Mais hors gameplay, le fait de recommencer One Piece, ça me donne envie de recommencer l'anime aussi. Tu sais, parce que du coup, vu que je joue beaucoup à One Piece, enfin, je joue beaucoup entre guillemets, parce que j'y joue que en vidéo en fait, du coup, pour le let's play. Merde, y a Luffy, il est en déroute. Bah attends, je vais aller l'aider. Mais du coup, je sais pas, ça m'a mis dans un mood One Piece. J'ai trop envie de tout me remater, du coup. Mais le problème, c'est qu'une fois que j'aurai fini le jeu et que j'aurai fait tout le mode trésor, bah voilà quoi. D'ailleurs, pour le mode trésor, je pense que vu que j'ai pas la. Enfin, parce que c'est quelque chose que je vous aurais bien fait en live. C'est un truc à faire en live, je pense ça. Mais le problème, c'est que vu que j'ai pas de connexion pour faire ça en live, enfin, pas une assez bonne connexion plutôt, bah le problème en fait, c'est que je peux pas. Donc à la rigueur, ce que je peux faire, c'est faire juste une petite vidéo un petit peu pour montrer comment c'est, même si je pense que vous le savez, ça fera toujours plus de One Piece à faire. Mais voilà, c'est. Et après, une fois que ça ce sera fini, par contre, bah, je pense plus que. Enfin, je pense que je serai plus dans le mode One Piece et que j'aurai recommencé One Piece pour rien, parce que je pense pas que j'aurai la foi de continuer en vrai. Ouais, je sais, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Mais clairement, en ce moment, ouais, ça me donne envie de me remater tout One Piece, quoi. Le fait que je sois dans un mood One Piece. T'arrêtes. Non, vraiment, je kiffe le spam carré, il est trop bien. Et d'ailleurs, en bas, je sais pas si je l'ai dit dans un autre épisode, ou alors c'est peut-être dans l'épisode que j'ai recommencé, j'en sais rien. Enfin, l'épisode que vous aurez pas vu, du coup, qui a pas vu le jour. Ah, ça y est, j'ai libéré toutes les zones. Bon, bah, c'est bon, parfait. Vas-y, on va se concentrer sur Akainu. Mais du coup, ouais, en bas, je me suis fait Piratorius 3 pour combler les arcs manquants du 4. Comme ça me donne vraiment une impression d'être immergé dans One Piece. C'est une bonne expérience, je trouve, à faire. Enfin, pour moi. Puis comme ça permet de constater les différences de gameplay aussi, c'est cool. Donc vas-y, on arrive sur Akainu. Tu sais quoi? Allez, on n'a pas le temps. Voilà, déjà, là, tu vas prendre plus de cul. T'as Luffy, le pauvre, il a dû m'insulter. Le pire, c'est que c'est Luffy qui se tapait contre lui, alors c'est Akainu... Enfin, c'est... Comment il s'appelle? C'est Ace qui a voulu se taper contre Akainu là. C'est Ace qui a voulu rester. C'est Luffy qui lui a dit ouais, viens, on se casse et tout. Il a dit non, il a insulté Barbe Blanche. Il a insulté mon père. Mon père. Alors on met tout, on le carbonise. On brûle le feu. Par le feu, parce que lui en fait c'est le magma, tu vois, Akainu. Et le magma contre le feu, c'est le magma qui l'emporte, je crois, parce que il y a un truc en mode ouais, le magma il brûle le feu lui-même, ou je sais pas, une connerie comme ça. Donc du coup voilà, merde, je crois ça, le coup il va pas passer. Ah bah si, bah, bah tant mieux. Par contre là c'est pas la grande forme pour Ace, hein. Merde, il m'a cancel moi ma spé. Enculado. Ok, là c'est bon, il a pris du cul. Putain, il fait chier Marco à le déplacer. Oh, je kiffe le bruit. Oh, ça fait une rafale. Je kiffe, c'est trop bien. Shiken. Dans le vent, merci. Ça doit être encore un putain de... Enfin, un putain de PNJ qui l'a déplacé. Bon, même si c'est si c'est un perso jouable, mais t'as compris. C'est l'IA, quoi, qui l'a déplacé. Allez, brûle ta mère, brûle. Allez, on lui met du cul, on lui met du cul, on lui met du cul. Normalement, il prend pas le week-end. Voilà. Ça me pète les couilles. Ah, franchement, on va voir si j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait. Parce que s'il rajoute une mission une fois qu'on l'a tué, c'est que c'était pas bon. C'est que... Finalement, j'aurais pas eu besoin de tous me les faire et libérer toutes les zones. Pouah ! Oh, j'ai mis un coup stylé pour la fin. Ah,
Ah voilà, c'est ça, ce que je disais. カイゾクをゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが議長代とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃そうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。おい、待て、ルフィ。 Oh là là, ce qu'il lui a mis. Ah mais cette scène, elle est tellement satisfaisante.助けてもらえなくてよ。すまなかった。何言ってんだ。バカなこと言うな。誰が手当てしてくれ。エースを助けてくれ。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから聞けよルフィ。何言ってんだ。エース死ぬのか。 約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ。エース。そうだな。サボロケンとお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは 一つはある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ。嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものは どうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。 親父、みんな、そしてルフィ、今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。
Ah ben voilà, j'ai quand même mis trop de temps, putain. Putain, mais par contre, quand je vois ce genre de scène, ça me donne vraiment envie de reprendre One Piece. Enfin, pas reprendre One Piece, de recommencer One Piece, je veux dire. Parce que One Piece, je suis à jour, sinon. En termes d'épisode, hein, pas de scan. Les scans, je les lis pas. Mais quand je vois ce genre de scène, j'ai envie de les revivre en animé, tu vois. Parce que rien que là, tu vois, ça fait de l'effet. Mais je pense qu'en animé, ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai vécu une seule fois. Parce que j'ai jamais recommencé One Piece depuis. Et juste quand... Enfin, ça fait plusieurs fois que je revois cette scène dans les Pirates Warriors et tout. Et ça me donne tellement envie de le revivre en animé. Parce que déjà là, tu vois, ça faisait quelque chose. Mais en épisode, en animé, il doit y avoir tellement plus d'émotions en vrai. Le nombre de personnes qui ont chialé devant ce moment, mais en animé, c'est waouh quoi. Ah, j'ai obtenu la carte numéro 2 de Ace. Ah non, c'est incroyable. Donc on a débloqué Ace du coup, ça fait plaisir. Ok, donc à mon avis, ça c'est l'épisode final de Marineford. Mais ouais, du coup, enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est ce genre de scène, tu vois, qui me donne envie de reprendre One Piece aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de morts marquantes dans One Piece, mais ça, je pense que c'est la mort qui fait la plus mal dans le monde de One Piece, tu vois. Dans l'univers de One Piece, cette mort, elle est très douloureuse, tu vois, pour tout le monde. Donc, bah c'est sur ça qu'on va s'arrêter du coup. J'espère que cet épisode vous aura plu. Avec Ace, c'est la première et dernière fois qu'on l'utilise pour le let's play du coup. Et bah voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'hab, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Et puis moi sur ce, les Nakama, je vous dis à la prochaine. Jana.